Attends la prison, moi te bats à pas caca. Bah tu passes les bains, il n'a qu'à caca. Attends la mérite, je fais quand t'as caca. Et glisse caca au bord d'un caca. Nouveau titre de l'artiste M. Rudy en featuring inédit avec le brillantissime rappeur congolais Bizaïs. Ce titre vient enrichir la JBCR de la musique urbaine congolaise et disponible sur YouTube depuis le 22 octobre 2022. M. Rudy, l'auteur de ce titre, revient sur le message de fond qui caractérise l'ADN de Numambai. Numambai, en fait, ça parle d'un délireur qui est dans un dilemme. Il y a son patron, son label qui l'appelle. Il y a le docteur, c'est-à-dire Bizaïs, qui appelle pour lui dire « Tiens, ici, il y a le deal, ici, il y a ça. » Et la meuf qui lui dit « Ok, viens à la maison, j'ai envie de toi. » Donc, c'est tout un délire. Les gens vont mieux découvrir en allant sur YouTube. Tournée réalisée dans certains coins recoins de Brazzaville, le clip du titre « Munambai » nous plonge dans ce qui fait la beauté et l'unicité de certains quartiers de Brazzaville. M. Rudy revient sur ce choix artistique. On accepte nos quartiers tels qu'ils sont, avec les problèmes, les joies, tout. On accepte nos quartiers tels qu'ils sont. On veut aussi que les gens voient que dans nos quartiers, on peut aussi tirer de la beauté en fait. Vous avez vu les gens qui étaient dans le quartier, peut-être pas, on va dire, peut-être pas des voyous, comment, mais... C'est des gens, c'est des bosseurs, c'est des motivés et je voulais vraiment apporter ce projecteur sur eux, dans nos zones en tout cas. Cette étoile montante de la musique urbaine congolaise n'a pas manqué l'occasion pour faire une mise au point sur la présence de l'artiste Bizaïs dans ce titre qu'aurait choisi le gospel comme démarche artistique. Pour ne pas peut-être trop parler de lui, en tout cas je crois qu'il avait annoncé dernièrement dans ses pages qu'il était de retour dans le game sans être parti. Même le clip a connu, j'avais annoncé deux fois le clip, mais nous n'avons pas sorti le clip, juste à cause de son histoire de gospel, tout ça. Voilà un peu quoi. Mais il est là. L'occasion était tout indiquée pour M. Rudy de révéler au grand public ce qui a suscité cette collaboration avec Bizaïs, tout en soulignant l'ambiance qui a prévalu lors de l'enregistrement de ce titre. Avec Bizaïs, le featuring s'était passé par un feeling. Nous étions en contrat, c'est-à-dire la structure qui me booste, qui me produit 52 Impact. Nous étions en contrat avec Violence Musique. Donc tout le temps lorsque nous travaillons, Bizaïs était souvent là. Et puis je lui ai dit, mais vieux père, j'aimerais bien que tu mettes la voix dans l'un de mes morceaux à venir. Et puis il était chaud. À la base, c'était un autre son. Mais après beaucoup de son, beaucoup de reports, on a réussi à se mettre d'accord par Munambai. Je dis bien qu'à mes débuts, j'écoutais beaucoup Bizaïs. Et en écoutant le couplet, les punchlines, les techniques qu'il a ramené dans notre son, c'est fort. Parce qu'il avait posé deux fois, il avait enregistré deux fois, il a effacé et il avait trouvé le couplet actuel. Ouais. Avec 6 titres dont 3 clips à son actif, M. Rudy se dit confiant pour se faire une place de choix dans l'arène de la musique urbaine congolaise qui, depuis un moment, fait vivre l'actualité de la musique congolaise portée par une guerre artistique féroce. Tu cherches une visibilité, n'hésite pas, la solution c'est auprès de la Congolaise. Pour nous, ça la promotion à you. Pour nous, ça la promotion, c'est pas le culturel, n'ayou.